Hvaljen Jezus in Marija. Dobre dan, dragi gledalke in dragi gledalci televizije Exodus. 11. novembra 2019 je papež Frančišek na audienci sprejel člane sveta za vključujoči kapitalizem, ki je bil ustanovljen po njegovi intervenciji leta 2016 na Fortune Time Global Forum, kjer je poudaril potrebo po bolj vključujočih in pravičnih gospodarskih modelih, ki vsakomur omogočajo delež pri virih vsega sveta in uresničevanje lastnih potencialov. 8. decembra 2020 je ustanovljen Svet za vključujoči kapitalizem z Vatikanom, kar pomeni novo zgodovinsko partnerstvo med Svetom za vključujoči kapitalizem, ki združuje nekatere vodilne svetovne vlagatelje in poslovne voditelje ter Vatikanom. To zavezništvo predstavlja nujno potrebo po združitvi moralnih in poslovnih zahtev za preoblikovanje kapitalizma v močno silo, v dobro človeštva in to pod moralnim vodstvom njegove svetosti papeža s Frančiška in njegove eminence kardinala Petra Turksona v letih 2020 in 2021 ter kardinala Černija od 23. aprila 2022, ki sta prefekta dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Svet vodi osrednja skupina svetovnih direktorjev, imenovana varuhi vključujočega kapitalizma, ki vsako leto srečuje s papežem Frančiškem in kardinalem Černjem. Ker je cerkev na sinodalni poti, bomo danes poskušali razumeti, kaj je vključujoči kapitalizem. Saj se le malo ljudi in cerkvenih voditeljev zaveda, kaj te zadeve v resnici pomenijo, kakšen je cilj papeža Frančiška in bomo poskušali opredeliti tveganja in nevarnosti. K sodelovanju sem povabil gospoda Guido Lafortella, katoličana in direktorja neodvisne švicarske založbe Pando Editions, specializirane za ekonomijo in finance. Guido Lafortelle je tudi urednik storitve za ekonomske in finančne informacije L'investisseur sans costume, katere namen je posameznikom, članki in videoposnetki, namenjenimi naložbam, zagotoviti kakovostne institucionalne analize. Tako v Franciji kot Švici ima veliko privržencev. Monsieur Guy de Lafortelle, bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer l'entretien, pouvez-vous me dire comment abordez-vous l'émission et le thème d'aujourd'hui? Bonjour monsieur, merci beaucoup pour votre invitation. Bah, écoutez, moi, je suis très étonné et honoré d'être invité sur votre chaîne de télévision. Et bah, j'aborde ça avec un peu de stress parce que c'est quand même un sujet important et difficile que nous allons aborder aujourd'hui. Et aussi beaucoup d'enthousiasme, notamment parce que j'ai voyagé un peu en Slovénie quand j'étais jeune et que je garde un magnifique souvenir de votre beau pays. Ah, merci, merci. Alors, pouvez-vous maintenant nous expliquer ce que c'est que le capitalisme inclusif et qu'est-ce que le conseil pour le capitalisme inclusif? Donc, le capitalisme inclusif est une notion qui s'est développée ces dernières années, depuis une petite dizaine d'années, et qui, en fait, est un dérivé, c'est une autre manière d'un peu de marketing, de parler en fait d'une notion plus ancienne, qui est celle du capitalisme de partie prenante, ou en anglais on dirait « stakeholder capitalism », qui est un terme qui lui date, qui a été forgé au début des années 60 à l'université de Stanford, en opposition avec le shareholder capitalism ou le capitalisme d'actionnaire. Et donc, qui est un concept qui défend une prise en compte donc, de toutes les parties prenantes du capitalisme et pas uniquement des actionnaires, notamment dans les instances dirigeantes des grandes sociétés. Donc ça, c'est cette notion de stakeholder, c'est de se dire une entreprise, un groupe mondialisé, ne doit pas servir uniquement ses actionnaires, mais toutes les parties prenantes de la société. C'est la société civile, les clients, les fournisseurs, les salariés, les animaux, la nature, absolument tout. Donc c'est cette notion-là donc de capitalisme inclusif qui inclut tout le monde et que l'on retrouve dans le Conseil pour le capitalisme inclusif qui a été fondé en 2020 par le pape François
qui regroupe aussi donc des grandes entreprises qui s'engagent à mettre la morale et les principes de l'Église. Alors, qui s'engagent avec les principes de l'Église, quand on voit les entreprises qui sont dedans, et certaines que je connais, faut être un petit peu modeste quand même, mais c'est un petit peu la direction des entreprises voilà. Qui s'engagent à mettre un peu la morale de l'Église dans leur vie. Alors, en novembre 2020, un forum en ligne a été organisé afin de réfléchir à une économie plus juste, durable et inclusive. Dans un journal français, Les Échos, le journaliste parlait alors de premier Davos du pape, en référence bien sûr à la fameuse réunion annuelle à Davos en Suisse. Ce forum suisse réunit des patrons de multinationales, des oligarches, des puissances, des responsables politiques, ainsi que des intellectuels et des journalistes. Dans quelle mesure une telle comparaison est-elle censée ? Et est-il même possible de voir une relation entre ces deux événements ? Alors... Oui, donc Klaus Schwab, qui est le fondateur du Forum économique mondial de Davos, qui donc s'est très tôt emparé de ce concept donc de capitalisme de parties prenantes et donc qui inclut le capitalisme inclusif. C'est vraiment synonyme, hein, partie prenante et inclusif. Et donc oui, quand les Échos disent c'est le Davos du pape, on est en plein dedans parce qu'on est sur les mêmes notions, sur les mêmes concepts que ceux de Davos et on a les mêmes personnes en face. On a les grandes banques, on a un certain nombre de grandes associations, on a des fondations comme la fondation Rockefeller. Donc on est, ah oui, c'est la comparaison du petit Davos du pape, à mon avis, très juste. Alors, le conseil est dirigé par un groupe de dirigeants internationaux connus sous le nom de gardiens du capitalisme inclusif, qui se réunit chaque année avec le pape François et le cardinal Turkson et maintenant Tcherny. Pourtant, on est peut-être en droit de se poser certaines questions qui risquent de compromettre la bonne volonté du pape. Lynn Forrester de Rothschild, fondatrice du conseil et associée directrice d'Inclusive Capital Partners, est associée au forum du pape. Or, elle est très étroitement liée à la famille Clinton. Son nom apparaît lié avec le sulfureux Epstein. Dans ce cercle, nous reconnaissons plusieurs personnes pro-euthanasie, pro-LGBT, pro-avortement, et donc clairement aussi en opposition totale avec l'enseignement de la morale catholique. Comment expliquer la présence de ce genre de personnes ? Alors, ça, il faut leur demander à eux. Il faut demander au pape, il faut demander à Rome. Ces gens vous répondraient sans doute qu'il faut bien partir de là où on est à un moment donné et que si on attend de ne parler qu'à des gens qui respectent strictement la ligne de l'Église, on ne fera jamais rien. C'est une première chose. Néanmoins, s'il y a quelque chose de très bizarre dans cette notion de capitalisme inclusif en général, et en particulier quand on voit ça sous un jour catholique, qui est que le constat qui est fait, qui est sous-jacent à cette notion de capitalisme inclusif est juste, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde dans lequel le pouvoir est exercé par le grand capital et par les détenteurs du grand capital, ça c'est vrai, et c'est quelque chose qui est une évolution relativement récente, qui est post-Deuxième Guerre mondiale, et qu'on peut voir justement dans des grandes instances. Ça c'est quelque chose, il faut remonter à 1945 et à la charte des droits de l'homme de l'ONU, où vous avez, ou même à la déclaration du Mont Pèlerin. Vous avez en 1945 la grande idée de se dire, on s'est quand même pris deux énormes guerres mondiales sur la tronche, excusez-moi de parler comme ça, en un demi-siècle, même moins. Il faut absolument qu'on marche vers des instances mondiales de pacification pour que les États arrêtent de se mettre et de se faire des guerres extrêmement meurtrières. Alors la première faute, c'est que ce n'est pas vraiment des États, c'est plutôt les empires qui font ce genre de guerre, mais bon. Et c'est vraiment, il y a un grand mouvement de mondialisation qui part de là, et ce qu'on a eu du mal à percevoir, ce que Jean-Paul II avait lui très très bien perçu, c'est que
ce mouvement de mondialisation a eu tendance à se faire au détriment des nations. Il y a eu vraiment un transfert de souveraineté qui s'est fait. En Occident, c'est absolument évident. Ailleurs, en ce moment, c'est plus contestable et c'est en train d'être remis en cause, en particulier par la Russie et la Chine. Mais en Occident, il y a un transfert de souveraineté qui est passé au-delà des nations, qui est supranational. Il ne faut pas oublier que Jean-Paul II, dans tout son travail sur la chute de l'URSS et du bloc communiste, a toujours fait valoir que, il était vrai que la liberté individuelle a besoin d'une protection collective, et que cette protection collective ne peut se faire qu'à l'échelon d'une nation. Et qu'au-delà, l'échelon supranational est en fait trop grand pour pouvoir protéger la liberté individuelle des gens. Et bah, ce transfert, en fait, on se rend compte, ça a aussi été un transfert de souveraineté où les souverainetés sont passées du peuple au capital. C'est mon analyse. Et donc, ce constat est juste, qui est que le capital, aujourd'hui, les détenteurs du capital ont trop de pouvoir. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que ces gens ont trop de pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on rééquilibre les pouvoirs ? Ou est-ce qu'on leur dit, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, vous occuper de nous ? Et c'est ça le capitalisme inclusif. Le capitalisme inclusif, il ne vient pas dire, vous avez des gens qui ont trop de pouvoir et donc il faut rééquilibrer ces pouvoirs pour avoir quelque chose de plus juste. On dit, ces gens ont trop de pouvoir, donc on va aller leur demander, s'il vous plaît, de prendre de bonnes décisions. Il y a là une espèce de paternalisme, un petit peu comme au 19e siècle, qui est en train de revenir en force, et où, moi, à mon avis, quand on parle de capitalisme inclusif, c'est très bon dans l'intention, mais l'enfer est pavé de bonnes intentions, et que le problème principal, c'est que bah, vous demandez en fait aux actionnaires de parler à la place des salariés, de parler à la place de la société civile, de parler à la place de tous ces gens-là, alors que moi, ce n'est pas du tout ce que je veux. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'effectivement, on donne effectivement plus de pouvoir aux salariés, plus de pouvoir à tout un tas de gens, plutôt que de demander aux actionnaires de parler à leur place. Et en fond, le capitalisme inclusif, c'est ça. Et j'ai une dernière chose qui, quand on regarde de quelles entreprises sont composées, bah, vous avez des entreprises comme Visa, vous avez des entreprises comme BlackRock, vous avez tout un tas de groupes qui sont à caractère monopolistique ou quasi-monopolistique. Et donc des groupes qui sont, au final, qui ont des tendances totalitaires. Et c'est très important de relier ce terme, qui est un terme politique, avec le terme business, parce que, bah, par exemple, vous prenez une entreprise comme Visa, qui fait partie du Conseil pour un capitalisme inclusif, ces gens se battent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour interdire les espèces et l'argent liquide, parce que, eux, c'est pas leur intérêt, eux, leur intérêt, c'est de tout payer par carte et c'est de tout contrôler. Et vous avez comme ça toutes ces entreprises qui, en fait, sous prétexte de parler en notre nom, exerce de plus en plus de contrôle, qui là, pour le coup, moi, me pose un gros problème de chrétien, parce que moi, je vis, selon la parole, la vérité vous rendra libre, et que ben, l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être on ne peut pas, si on n'est pas libre, on ne peut pas être en vérité. Et ce caractère monopolistique des grandes instances du capitalisme inclusif, moi, me gêne beaucoup. Alors, dans sa lettre circulaire, Fratelli Tutti, le pape François plaide clairement pour une nouvelle fraternité mondiale, sans frontières, en rupture avec le système néolibéral actuel. Certes, la société de marché a montré ses travers, le pape condamne le néolibéralisme, l'individualisme ou l'égoïsme, ce qui me semble un sens très évangélique, venant d'un petit pays qui a toujours été sous le joug étranger, qui s'est battu pour survivre, pour garder sa langue, ses traditions, sa foi et sa fidélité au Christ, j'ai du mal à comprendre que le pape s'oppose à l'idée même de souveraineté des États. Il me semble que dans une certaine mesure, il fait l'éloge de la gouvernance supranationale et ne la modère que lorsqu'il s'agit de combattre l'influence culturelle occidentale. Ma lecture est-elle trop sévère, voire même peut-être erronée ? Non, je suis d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Il faut bien comprendre, pour moi, c'est quelque chose qui est très important. Les constats qui sont portés, je les partage, ces constats. En revanche, dès qu'on arrive au niveau de la solution, là, je ne suis plus d'accord. Ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et donc, le constat qui est de se dire que
qu'aujourd'hui, il y a besoin de plus de justice. Oui, je suis d'accord. Mais en revanche, quand on, le constat de dire le capitalisme néolibéral est arrivé à un niveau d'épuisement qui est terminal et où on a besoin aujourd'hui de refonder radicalement nos systèmes, je suis aussi d'accord. Mais là, et moi j'ai une analyse qui est assez radicale là-dessus, pour moi, quand on parle de capitalisme inclusif, on n'est pas dans la refondation, on est dans la continuité, dans la continuation de tous les excès qu'on a déjà faits. Comment est-ce qu'on voit ça ? Ben, premièrement, vous avez les mêmes personnes qui font partie de ces conseils, ces mêmes grandes entreprises, ces grandes fondations, ces fondations Gates, fondation Rockefeller, Visa, BlackRock, les grandes banques, tous ces gens-là sont les gens qui sont ces géants qui bénéficient le plus de ce capitalisme néolibéral, qui est d'ailleurs un très mauvais terme, hein, parce que c'est pas du tout libéral. Là, il faut bien comprendre que le capitalisme néolibéral n'est pas libertaire. Il ne s'agit pas de casser les lois, il s'agit de les transférer, comme vous le dites, de l'échelon national à un échelon supranational, et du coup, de le faire sortir du contrôle des peuples vers ce qu'on est obligé de voir, un contrôle du grand capital, qui se voit aussi ne serait-ce que par sa taille. C'est-à-dire que les grandes fortunes sont devenues de plus en plus riches. Et donc, moi, de ce que je perçois, c'est le capitalisme inclusif qui prône une refondation, en fait, fait l'inverse de ce qu'il prétend, et il continue avec les mêmes personnes. Mais alors, l'idée des nations, elle semble quand même déranger, hein. Tout le monde, ceux de Davos, et même le pape, selon certains catholiques, est-il correct de dire que c'est l'idée de nation et de légitimité du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes que l'encyclique Fratelli Tutti rejette, du moins pour les peuples occidentaux? Comment regardez-vous cela dans une perspective de capitalisme inclusive? Alors, je ne sais pas, il faudrait que je revoie l'encyclique, je ne sais pas si c'est aussi dit aussi clairement. Il ne faut quand même pas oublier que notre pape est jésuite et que ce n'est pas simple de lui faire dire des choses claires et aussi précises que ce que vous venez de dire. Donc je ne m'avancerai pas jusque-là. Donc si vous me dites que c'est effectivement dans le texte, je vous croirai sur parole, mais je ne suis pas sûr que... qu'il soit écrit aussi clairement ce combat contre la nation. En tout cas, quand on regarde, moi, ce que je regarde plus au quotidien, qui sont les très grands groupes mondialisés, eux, oui, eux combattent les souverainetés nationales, et depuis très longtemps, et pour deux raisons. La première, c'est que les souverainetés nationales, c'est aussi une manière de se créer des concurrents, d'avoir des barrières à l'entrée. La souveraineté nationale, ça commence par des frontières. Et des groupes mondialisés comme Visa ou BlackRock n'aiment pas les frontières parce que c'est pour eux, c'est des difficultés à traverser. Donc, c'est pas intéressant pour eux. Donc, oui, il y a ça. Et deuxièmement, on vit dans un monde où le partage de la richesse en Occident, encore une fois, je ne peux pas parler pour la Slovénie, je suis désolé, je ne connais pas assez bien votre pays, malheureusement. Mais dans un pays comme la France, dans les années 80, le partage de la richesse se faisait ce que l'on appelle la valeur ajoutée d'une économie. Vous aviez, en 1980, 75% de la valeur ajoutée qui partait dans les salaires et vous aviez 25% qui allait au capital. Là, je parle pour la sphère privée. Je mets de côté la sphère publique. Aujourd'hui, on est à 60% pour les salaires et 40% pour le capital. Et ça, en France, ça fait une différence de 200 milliards de salaires qui ne sont pas versés chaque année. Donc, c'est quelque chose qui constitue, ça fait un appauvrissement. Surtout que ce n'est pas récent. C'est quelque chose qui s'est passé dans les années 80-90. Et donc, ça veut dire que chaque année, depuis 20 à 30 ans, chaque année, vous avez des salaires qui ne sont pas versés. Vous avez un mauvais partage de la richesse, un mauvais partage de la valeur. Et que ce mauvais partage de la valeur, au profit du capital, crée tout un tas de problèmes
Et que bah, malheureusement, ces problèmes-là, on est vraiment à la base. Hein. Encore une fois, vous avez, c'est en France, vous commenceriez à régler ce problème-là, vous avez tout un tas de choses. Les problèmes d'endettement public, par exemple, les dettes des États, proviennent notamment du fait que vous n'avez pas assez de richesses distribuées aux populations, en France en tout cas, c'est très clair. Et du coup, c'est compensé par l'État, en France en tout cas, et ça crée des problèmes d'endettement, et ces problèmes d'endettement créent ensuite plein d'autres problèmes. Et encore une fois, quand vous faites du capitalisme inclusif, vous ne réglez pas ces problèmes de répartition de la valeur ajoutée, et même à l'inverse, c'est-à-dire que une fois que vous avez pris l'argent des salariés, et une fois que vous avez pris cet argent-là, maintenant vous prenez leur voix aussi, parce que vous prétendez parler à leur place. C'est vraiment un paternalisme, c'est une sorte de paternalisme inversé, parce qu'au 19e siècle, vous aviez un paternalisme qui visait quand même, moi je le sais, moi j'ai des aïeux qui au 19e siècle avaient une petite verrerie dans l'est de la France, une cristallerie, et qui avait créé un petit village, ce qu'on appelait un phalanstère, dans lequel vous aviez le médecin, le professeur, et ces gens-là, en fait, construisaient des maisons et apportaient, vous avez un paternalisme en France qui, à un moment, a apporté de l'instruction, des soins, du chauffage, de la lumière aux ouvriers. Et là, on fait un peu l'inverse. C'est-à-dire que là, vous avez un paternalisme qui est en train de faire l'inverse et qui est en train d'enlever. C'est-à-dire qu'en France, notre bon président Macron nous a annoncé que c'était la fin de l'abondance. Et donc, vous avez aujourd'hui, on fait le parcours inverse. On est un peu en train de dépouiller les gens parce que vous avez ces groupes mondialisés qui ont confisqué la richesse créée dans nos économies. Alors, disons qu'il y a comme une bonne intention du pape François, parce qu'on a confiance également en lui. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir avec des personnes comme Rothschild, Rockefeller? Croyez-vous qu'il y a une démarche sincère et productive? Chez les Rothschild, comment dire sincère, je ne sais pas ce que ça veut dire. Non, ce n'est pas sincère. Si ces gens étaient sincères, il y a un moment. En fait, à mon avis, on est aujourd'hui dans la parabole du grand inquisiteur, qui est ce petit texte de Dostoïevski au sein des frères Karamazov, où vous avez. Donc cette figure du grand inquisiteur qui estime que, en gros, pardon pour le paraphraser ainsi, mais que le peuple ne veut pas la liberté, le peuple veut être guidé et le peuple veut qu'on s'occupe de tout. Et c'est cette grande idée qui est que la liberté est un fardeau insupportable. Et c'est très clair chez Dostoïevski, qui est quelque chose qui est absolument anti-chrétien. La liberté est une valeur fondamentale du chrétien. Et ça, chez les Rothschild, les Rockefeller, les Gates, toutes ces choses-là, il y a une notion de la liberté qui est... La liberté, c'est pour eux, c'est pas pour les autres. Parce que, pour le dire autrement, vous pouvez être libre tant que vous pensez comme moi, chez ces gens-là. Faut quand même pas exagérer. Vous êtes quand même dans le monde de la grande entreprise qui est un monde de prédateurs. Si vous regardez, si on peut prendre Microsoft et Bill Gates, si vous regardez comment s'est construit Microsoft, c'est une prédation géante. Donc, il faut faire les Rockefeller au moment de la Standard Oil, au tournant du XXe siècle, c'est pareil, c'est de la super prédation. Donc, quand vous vous retrouvez avec des super prédateurs économiques qui viennent vous expliquer qu'ils vont parler en votre nom, c'est un peu comme si le loup prétendait savoir ce qui était bon pour l'agneau. Donc maintenant, que le pape François soit naïf ou pas, je n'en sais rien, mais je ne suis pas à sa place. Là où je suis un petit peu gêné, c'est que moi, je crois profondément dans cette parole du Christ qui est qu'il y a un moment, rend à César ce qui appartient à César, et que je trouve très dangereux de vouloir
tout mélanger. Alors peut-être je suis très français hein, et que la séparation de l'Église et de l'État devrait peut-être aussi s'appliquer aux affaires. Pour le dire autrement, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas, il faut pas gérer ses affaires en chrétien ou en catholique, mais je suis en train de dire, je ne sais pas si le pape François est légitime pour venir juger de la bonne marche des affaires. Alors, en plus, ces personnes-là, elles laissent des traces derrière eux, elles ont une même méthode d'action et de pensée. Notamment, on voit bien cela avec ce qui s'est passé avec l'attaque de la Russie en Ukraine. On a tout de suite vu que les premières sanctions étaient fermeture du code SWIFT. Et avec le pape Benoît XVI, on a vu à peu près la même chose. On a parlé tout de suite, voilà, c'est un des premiers États qui a été sanctionné, qui a eu des sanctions comme ça en ayant bloqué le code SWIFT. Donc il y a une certaine force, on va dire, de ces agents-là. Et quand le pape Benoît XVI a donné sa démission, le jour d'après, les transactions et le code SWIFT ont redémarré. Qu'est-ce que vous pensez ? Alors, il y a deux choses. Sur la partie bancaire du Vatican, moi, ça fait partie des grands scandales. Et pour moi, c'est, en tant que chrétien, le scandale de la Banque du Vatican qui est quelque chose qui date depuis très longtemps. Hein. On a ça dans Le Parrain, hein, le troisième opus du Parrain, le film de Francis Ford Coppola. Vous êtes en plein dans les scandales de la Banque du Vatican et ces choses sont réelles. Donc, vous avez un problème de gestion de l'argent au Vatican qui traverse les siècles même. Donc là, moi, là-dessus, malheureusement, je n'ai pas de réponse à ça parce que ce n'est pas quelque chose qui est récent. Il y a un problème avec l'argent au Vatican qui est très profond et ça dépasse ma capacité. Ensuite, précisément sur le réseau SWIFT, c'est assez bizarre cette affaire de SWIFT parce que, alors autant ça a pu avoir un impact sur le Vatican, ce qu'il faut bien comprendre, donc déjà SWIFT, il faut comprendre ce qu'est SWIFT. SWIFT, vous savez, c'est le petit code quand vous faites un virement bancaire pour identifier l'agence bancaire dans laquelle vous envoyez l'argent. Et SWIFT n'est qu'une messagerie. Rien d'autre qu'une messagerie. C'est-à-dire que SWIFT ne vous empêche pas. SWIFT ne gère pas le transfert d'argent en lui-même. SWIFT ne gère pas les relations entre les banques. La seule chose que fait SWIFT, c'est donner un code commun pour dire « Ah ben là, moi je veux que cet argent aille de telle agence bancaire à telle agence bancaire ». C'est uniquement ça. Donc en soi, est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu abîmer le Vatican ? Je ne suis même pas sûr, en tout cas, pour la Russie. Alors oui, c'est un problème pour des particuliers et que si vous êtes un citoyen russe en Europe aujourd'hui et que vous voulez envoyer de l'argent en Russie, ce n'est pas possible. Mais en revanche, si vous prenez les géants du gaz ou de l'énergie, qu'ils soient européens ou russes, les problèmes sont ailleurs, mais ce n'est pas SWIFT qui va faire que vous n'allez pas pouvoir, si vous êtes le Engie, donc le grand opérateur de gaz français, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de code SWIFT que vous n'allez pas pouvoir faire un virement à Gazprom, qui est donc le géant russe. Bah, ça, on s'en fout. Et ça, c'est quelque chose qui a été dit très tôt quand on a coupé SWIFT aux Russes, notamment par les banquiers américains le patron de JP Morgan, j'ai oublié son nom tout de suite, qui est, voilà. Vous faites une énorme bêtise parce que, en fait, le seul intérêt de SWIFT, c'est d'être universel et que si SWIFT ne devient plus universel parce que vous commencez à bloquer les gens, ben, la seule chose qui va se passer, c'est que vous allez avoir d'autres systèmes qui vont se mettre en place. Et ce sera simplement un peu plus fastidieux, mais vous ne pouvez pas interdire des transferts uniquement via SWIFT. J'emprunte les mots que j'ai lus dans un article. Non que je fasse l'éloge d'égoïsme nationaux débridés,
De l'utilisation égocentrique des biens dont nous disposons ou de l'indifférence aux besoins des autres, quels que soient ces autres, proches ou lointains, la priorité à donner aux biens communs est un authentique impératif moral. Mais la question n'est-elle pas aussi dans l'articulation de cet impératif incontestable avec un autre impératif, qui est celui du soin particulier que je dois avoir pour ceux qui me sont plus spécialement confiés, mes enfants, mes amis, mon peuple? Cette question me semble d'autant plus importante que dans la Bible, faire partir d'un peuple, d'une nation, une famille bien définie sont des choses sacrées. Comment concilier, comment articuler ces deux impératifs, bien commun et soin particulier? Bah, peut-être pour vous répondre, il faudrait aller chercher dans la constitution helvétique en Suisse, qui a donc en Suisse, il y a un principe constitutionnel qui est le principe de subsidiarité. Non, pardon, j'ai oublié le terme. Si, principe de subsidiarité. Excusez-moi. En Suisse. On part du principe qu'il faut régler les problèmes au plus petit échelon possible. Et le premier échelon étant la famille. C'est-à-dire que c'est la famille qui est censée subvenir aux besoins de ses membres, de pouvoir se nourrir, se loger, ces choses-là. Et donc, vous êtes responsable familialement, ce qui est quelque chose de très important, parce que ça veut dire que la famille doit être autonome. Et puis, quand la famille ne peut pas subvenir à ses besoins, eh bien, c'est la commune qui prend le relais. Si la commune ne peut plus, le canton va prendre le relais. Et si le canton ne peut plus, c'est la confédération qui prend le relais. Et donc, on essaye toujours de régler les problèmes au plus petit échelon possible. Et ça, moi, ça me paraît être ça me paraît être un excellent principe, parce que ça, vous pouvez travailler, c'est-à-dire vous travaillez au bon échelon. C'est-à-dire que travailler au bien commun, bien sûr que je veux travailler au bien commun, mais en fait, le problème, c'est que aujourd'hui, on fait comme si il fallait s'occuper, tout le monde devait s'occuper de tout le temps. Mais en fait, on ne peut pas s'occuper de tout le temps. On peut pas s'occuper à la fois de la guerre en Ukraine, des problèmes des ours blancs au pôle Nord, des problèmes des baleines, des problèmes absolument partout. Et d'une certaine manière, on nous dit, mais comme on est dans une économie mondialisée, on a des problèmes mondiaux, il faut les gérer mondialement. Oui, mais peut-être que en fait, le problème, justement, c'est qu'on est à des échelons trop gros et qu'il y a plein de choses qui devraient se régler à des échelons beaucoup plus locaux et que ça serait beaucoup plus sain si on était à des échelons locaux. Mais on en revient à notre problème de départ, qui est que quand vous avez tous ces acteurs du capitalisme inclusif, ces acteurs sont des acteurs mondialisés qui ne veulent surtout pas qu'on revienne à des échelons locaux, parce que revenir à des échelons locaux, c'est leur mort pour eux. Ça veut dire, au lieu d'avoir un géant Amazon qui s'occupe de faire toute la distribution dans le monde, vous allez avoir plein de petits acteurs locaux qui vont s'adapter aux réalités économiques et sociales locales. Et ça, Amazon, tous ces grands groupes qui font partie de ce capitalisme inclusif, ne veulent surtout pas qu'on revienne à ces échelons plus locaux. Et pourtant, à mon avis, la meilleure manière justement d'allier à la fois le soin particulier avec le bien commun, c'est de rendre à César ce qui appartient à César et de faire chaque chose. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'occuper d'un problème familial à l'échelon mondial. Et pourtant, parfois, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, on règle des problèmes familiaux à l'échelon mondial en disant voilà comment les deux familles devraient être faites. En France, même, il y a une forme de soviétisation du monde en Occident, où on est en train de lutter contre la famille, on est en train de détruire la famille, que ce soit moralement, que ce soit, quand je dis moralement, dans les mœurs. Aujourd'hui, on n'a plus la sécurité du noyau familial que les Suisses comprennent bien en disant la première chose, c'est qu'une famille, c'est une sécurité, c'est un cocon. Et ça, on a cassé ça. On a à peu près la même chose ici en Slovénie. Il y a un mot, bon, en France on parle de patrie tout de suite, mais en Slovénie on parle de la maisonnée, ou comment dire, de la maison, de là où on vient. Voilà, c'est domovina en Slovène. Et c'est aussi également grâce à ça aussi que le peuple slovène a survécu grâce à cette compréhension que la maison est le lieu de défense de toute valeur et de toute
richesse, voilà. Absolument. Et en France, vous avez un sociologue qui s'appelle Emmanuel Todd, qui a fait un travail sur une vingtaine ou une trentaine d'années, un très gros travail, pour faire un lien entre les structures familiales et les structures politiques. Et en fait, ce n'est pas indépendant. C'est-à-dire que vous avez des structures politiques qui naissent des structures familiales. Et quand vous cassez les structures familiales, derrière, vous cassez les structures politiques aussi. Et aujourd'hui, on peut se demander s'il n'y a pas justement, on ne cherche pas volontairement à casser les structures familiales pour derrière casser les structures politiques, encore une fois, pour casser la souveraineté nationale afin de transférer le pouvoir au niveau multinational, au niveau supranational. Ça va ensemble. Alors, on a parlé tout à l'heure des différentes sociétés qui composaient le conseil du capitalisme inclusif. Parmi elles, il y en a une où j'aimerais bien peut-être en parler parce que c'est H&R Block. Je ne sais pas si vous connaissez. Pardon? H&R Block. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais, non. Bon, c'est une multinationale. Et en fait, dans le site internet du conseil du capitalisme inclusif, promu en fait la légalité des sexes et également les LGBT quoi. Donc en fait ça revient un peu à ce qu'on avait dit tout à l'heure que en fait il y a des sociétés qui font partie de ce conseil et qui en fait sont déguisées un peu comme des loups en agneaux qui essaient de peut-être modifier le sens de l'égalité des sexes en égalité de LGBT et en fait, tout ce qui est actuellement ce que la force mondialisme désire de transformer les peuples. Voilà. Oui, Alors. bon, on est bien, moi, c'est effectivement, des loups déguisés en agneaux, ou en tout cas des sujets où on détourne des sujets et d'une certaine manière, on les tâche. Parce que si vous prenez donc les sujets justement de LGBT, ou en France, les plus grands, il y a eu un grand mouvement pour obtenir le mariage homosexuel il y a quelques années. Et c'est quelque chose qui est très étonnant parce que ce n'était pas une revendication LGBT au départ. C'est-à-dire que moi, enfin, en tout cas, je connais assez peu je connais parmi moi mes amis LGBT que je connais, j'en connais pas qui revendiquent un droit au mariage. En sachant que vous aviez derrière, en France, vous aviez déjà d'autres contrats qui permettaient d'avoir quand même une sécurité en termes matériels. Et alors, filiale, vous ne l'avez pas. Et donc, moi, mon grand problème avec les politiques LGBT actuelles, c'est que vous ne servez pas particulièrement ces populations. Et en revanche, vous détruisez la famille. Et pour moi, je ne vois pas pourquoi. Il faudrait opposer ou pourquoi est-ce que vous ne pourriez pas avoir au sein d'une population, qu'est-ce que je vous dise, moi, les gens sont comme ils sont, moi je suis pour la liberté, bien sûr que moi, je suis chrétien et que effectivement je suis pas, mais je suis pas là pour imposer aux gens, moi je pense que chacun fait ce qu'il veut avec ses fesses, hein, pour le dire un peu brutalement, et je ne vois pas pourquoi il faudrait opposer la liberté et la famille. Et on a un peu l'impression de dire aujourd'hui, il faut. Moi, j'ai l'impression, si vous voulez, que on n'est pas en train de servir une minorité, on est en train de détruire des structures qu'on a mis des centaines d'années à construire. Et encore une fois, pourquoi est-ce qu'on détruit ces structures? Parce que, in fine, détruire ces structures permet deux choses. Ça permet, un, de confisquer la richesse, parce qu'à partir du moment où vous avez des peuples qui ne sont plus organisés, et c'est très important, il y a une corrélation entre les structures familiales et les structures politiques. Si vous n'avez plus de structure familiale solide, vous n'avez plus de structure politique solide, démocratique en tout cas, qui représente les familles et le peuple. Et du coup, et vous pouvez servir un agenda mondialiste qui n'est pas, qui devient. Parce que moi, j'aime beaucoup la mondialisation, je ne suis pas contre.
tant qu'elle est bonne pour tout le monde. Mais quand la mondialisation exige le sacrifice des États et des nations pour y parvenir, le sacrifice des familles, bah, en fait, on se rend compte que la mondialisation qui, à un moment donné, a pu être porteuse de progrès, de richesse et de paix, est en train de faire l'inverse. C'est quelque chose qui est très important, ça. C'est-à-dire que ce qui a pu être bon pendant une période ne l'est pas forcément à la suivante. Et là, on se rend compte qu'on devrait avoir un mouvement naturel de démondialisation. Et c'est comme ça, c'est pas mal. C'est de la même manière que dans la nature, les choses vont et viennent et qu'il n'y a rien. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, c'est aussi simple que ça. Bon, et le fait de refuser ce mouvement naturel de démondialisation, qu'est-ce que ça apporte? Ben, ça apporte des tensions et à la fin, ça apporte de la guerre parce que vous avez aujourd'hui un mouvement de démondialisation qui a été refusé depuis déjà une vingtaine d'années. Et ce mouvement de démondialisation, ben, il est en train de revenir de manière massive par des conflits armés, notamment en Ukraine. Et ça, ben, à force de vouloir la paix, on finit par avoir la guerre. Alors, est-ce que vous pensez que le capitalisme inclusif est une démarche chrétienne, catholique, en son sens, quand même? Dans le constat, oui. Dans l'exécution, non, absolument pas. Dans le constat, oui, bien sûr, dans le constat. C'est-à-dire que vous pouvez pas marcher sur les gens, vous pouvez pas ne pas vous préoccuper du monde qui vous entoure. Je suis sur le constat, bien sûr, je suis d'accord. Maintenant, encore une fois, je ne pense pas que le premier problème de cette démarche de capitalisme inclusif, c'est qu'on demande à l'actionnaire de parler au nom des autres parties prenantes, de parler au nom des salariés, de parler au nom des ours polaires, de parler au nom des dauphins, au nom des ressources minières. Et ça, c'est pas possible. Et l'autre chose, c'est que vous êtes dans des logiques de monopole. Et le monopole n'est jamais bon en économie. Jamais, 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 sauf, pardon, j'exagère. C'est pas, en tout cas, le monopole n'est pas bon si c'est pas un monopole public ou parapublic. Alors, on est actuellement dans une période de synode. Là aussi, en fait, dans cette démarche synodale, on essaie d'inclure en fait ceux qui sont éloignés de l'Église. En fait, il y a une certaine logique entre les démarches du pape François sur le capitalisme inclusif et également sur une religion inclusive, on va dire. En fait, tout devient inclusif, on va tout inclure. Où ça mène? Vous pensez que ça, vous pensez le même constat que moi, que peut-être que ça amène vers une nouvelle ordre mondiale? Oui, bah quand on veut tout inclure et quand on veut, à la fin, on arrive à une soviétisation du monde. C'est quelque chose, c'est très déroutant. C'est que si on regarde les autoritarismes, les dictatures du XXe siècle, qu'elles soient nazies ou soviétiques en Europe, en Occident, pas en Occident, pardon, en Europe orientale, vous avez dans les deux cas la volonté de créer un homme nouveau. Et l'homme nouveau, c'est quand même la promesse de Jésus-Christ. Et il y a ce côté très déroutant où les dictatures du XXe siècle, d'une certaine manière, ont détourné la promesse de l'Église. La promesse de l'Église l'ont détournée sur des buts idéologiques. Et pourquoi ils l'ont détourné? Parce que vous avez une promesse dans laquelle on a ôté la liberté. Pour moi, la différence fondamentale, pourquoi est-ce que la promesse de l'Église d'un homme nouveau est bonne? C'est parce qu'elle se fait en liberté. Pourquoi elle est mauvaise quand vous êtes dans le fascisme ou dans le soviétisme qui prétend aussi créer un homme nouveau? C'est parce qu'il faut le faire, il faut le forcer, il faut y aller en dépit de la liberté des personnes. Et là où moi je suis très dérouté, c'est que j'observe une forme de soviétisation du monde où on veut créer aujourd'hui un homme nouveau
un homme asexué qui peut choisir. Aujourd'hui, il faut quand même se rendre compte qu'aux États-Unis, on estime qu'il est normal qu'un homme puisse avoir un bébé. Alors, je n'ai toujours pas compris. Alors, si, la manière dont ça se passe, c'est qu'en fait, ce sont des femmes qui se font passer pour des hommes. Mais il faut quand même comprendre qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les gens se mettent à estimer que oui, les hommes, on ne voit pas pourquoi les hommes ne pourraient pas avoir de bébé. Donc, c'est quand je dis on veut créer un homme nouveau, on est à ce niveau-là d'extrémisme. Maintenant, si c'était un mouvement naturel et que les gens tendaient à ça naturellement, on pourrait se poser la question de se dire d'où ça vient, où ça va, comment, quoi et pourquoi. Mais là, il n'y a rien de naturel à tout ça. Vous avez là du lobbying extrêmement massif. Et quand vous regardez des pays comme les États-Unis ou la France, encore une fois, malheureusement, je suis désolé, je ne peux pas parler pour la Slovénie, vous avez aujourd'hui des pays dont les populations sont devenues réactionnaires, mais dont les structures, elles, sont encore progressistes, et encore le terme de progrès est galvaudé, et du coup, vous êtes quelque chose qui ne se fait pas en liberté. Et du coup, moi, alors que le message de l'Église est de faire de nous des êtres nouveaux, en liberté, j'ai l'impression qu'on est en train de perdre cette notion de liberté. Et du coup, quand je vois le pape François qui s'associe à ce mouvement de capitalisme inclusif, qui pour moi, dans son aspect global, dans son aspect monopolistique, parce que c'est monopolistique ce capitalisme inclusif, ces grands groupes, a quelque chose d'autoritaire et de dictatorial. Et du coup, autant on est d'accord sur le fait de créer un homme nouveau, autant j'ai l'impression qu'on perd la liberté. Et perdre la liberté, pour moi, ce n'est pas possible. Alors, il y a plusieurs formes de péché qu'en fait, nous, maintenant, les chrétiens catholiques, on n'ose plus dire, dénoncer, parce qu'on n'ose pas offenser les personnes. Et en fait, on essaie d'inclure ces personnes dans notre Église, dans notre société également, dans différentes associations. Et est-ce que c'est pas le devoir de chrétiens quand même de défendre et de devoir de dire voilà, il y a le péché, c'est le péché, et on ne peut pas inclure le péché dans une forme de normalité. Et est-ce que justement le synode risque de faire ça en fait? Dans notre Église, qu'est-ce que vous pensez? Personnellement, j'ai suivi le synode d'assez loin et de ce que j'en ai vu, j'ai un peu peur. Le problème, c'est-à-dire que, encore une fois, j'ai l'impression qu'on détourne les choses, c'est-à-dire que bien sûr que le terme, j'ai pas envie d'utiliser le terme inclure, mais l'Église est universelle dans le sens qu'elle a vocation à accueillir tout le monde, quel que soit le parcours d'où qu'on vienne. Maintenant, c'est pas parce qu'on accueille tout le monde que derrière on va pas être en vérité. C'est-à-dire qu'on peut accueillir quelqu'un, l'aimer pour l'être qu'il est, tout en acceptant d'avoir des points de désaccord, tout en acceptant de pas être d'accord sur tout. De se dire que on a chacun du travail à faire, du chemin à faire. Et en fait, moi, le problème que j'ai avec ces histoires de capitalisme inclusif, c'est que j'en ai l'impression qu'on a envie de mettre tout le monde dans un même moule. On accepte de moins en moins les différences. C'est con, mais moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui. C'est qu'il y a une forme de dictature, d'une forme de bien-pensance qui est qu'on n'a pas le droit d'avoir des avis divergents. Et je vais juste finir sur quelque chose de très important. C'est-à-dire que si on veut être en vérité, il faut prendre le risque de choquer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être en vérité si on ne prend pas le risque de choquer et de blesser les gens. Alors, je ne dis pas que c'est bien, mais si on commence à penser le capitalisme inclusif comme un côté maternel ou paternaliste dans lequel il ne faut surtout pas choquer les gens, il ne faut surtout pas les blesser parce qu'il est pauvre, il faut les laisser rentrer, il faut les inclure.
Et si on pense qu'on ne peut pas prendre le risque de choquer, c'est de la dictature. Il faut pouvoir prendre le risque de choquer. C'est pas ce qu'on veut. Mais si on veut être en vérité, il faut accepter qu'il y a un moment où on va blesser, il y a un moment où on va choquer, il y a un moment où ça ne va pas se passer comme on veut que ça se passe. Et c'est comme ça, il faut travailler avec. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Guy de La Fortelle. Nous arrivons à la fin de cette émission. Je suis vraiment très, très heureux. Est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot à nos téléspectateurs sur le capitalisme inclusif? Écoutez, encore merci beaucoup pour votre invitation. Et je voudrais terminer, oui, c'est-à-dire que le plus important, à mon avis, c'est de bien faire la distinction entre les constats. Et les constats de l'économie inclusive sont justes. En revanche, il faut se poser la question très sérieusement sur les solutions. Et autant, moi, je suis entièrement d'accord avec les constats, autant sur les solutions, je le suis beaucoup moins, et je le suis beaucoup moins parce que, encore une fois, vous ne pouvez pas être chrétien aujourd'hui si vous n'êtes pas libre. Et moi, aujourd'hui, ce que je vois dans le capitalisme inclusif, c'est que c'est quelque chose qui va à l'encontre de nos libertés de chrétiens. Merci beaucoup. Et j'espère avoir encore une fois peut-être vous rencontrer ici en Slovénie, dans notre studio. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Drage gledavke in dragi gledavci. To odajo bi rad zaključil z mislijo mojega očeta. Razkristjanjevanje sveta v drugem tisočletju je potekalo približno takole. Začelo se je z vzhodnim razkolom. Želeli smo cerkev brez papeža. V 16. stoletju s pojavom protestantizma pa smo želeli Kristusa brez cerkve. V 18. stoletju z razsvetljenstvom smo želeli Boga brez Kristusa. V 19. stoletju se pojavi marksizem, ki želi imeti človeka brez Boga. Danes pa se soočamo z mnogo bolj krutim pojavom. Želimo bogatstvo, denar brez človeka. Vsi pojavi razen za njega pa so ohranjali judovsko-kršansko moralo, skrb za uboge in upravično razdelitev dobrin. Želim vam obilo Božjega blagoslova in nasvidenje.